Hello tout le monde, j'espère que chez vous tout va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bal, décidément, à deux en quelques jours. Mais je viens de recevoir un petit colis que m'a envoyé Nelly de la chaîne 100% Scrap, puisque j'avais participé à son concours et que donc du coup elle a choisi plusieurs gagnantes et donc je faisais partie des gagnantes de son concours. Alors c'est un colis que je viens de trouver aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Mais je ne sais pas depuis combien de temps il est dans ma boîte aux lettres, parce que en fait, nous avons deux boîtes aux lettres. Parce qu'en fait, mon mari a un commerce, et donc en général, le facteur lui donne tout le courrier pour le commerce et le courrier de la maison. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude d'aller ouvrir notre boîte aux lettres personnelle, puisqu'en fait, il n'y a quasiment jamais rien dedans. Donc une fois de temps en temps, on l'ouvre, et là ce matin... Mon mari est passé devant et l'a ouverte et il m'a dit « Oh tiens, t'as un colis !» Donc Nelly m'avait prévenu il y a quelque temps que mon colis allait bientôt arriver, mais elle ne m'avait pas dit qu'il était parti et tout ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas surveillé plus que ça ma boîte aux lettres. Donc si ça se trouve, Nelly, je suis désolée, hein, de toute façon je vais t'envoyer un mail hein, pour te dire que je l'ai bien reçu. Donc je t'aurais déjà raconté cette petite histoire, mais... bon, allez, trêve de blabla, il faut que j'arrête de vous raconter ma vie. Et on va ouvrir donc le colis pour voir les merveilles que m'a envoyé Nelly. Alors, voyons voir. Hop là. Alors, qu'est-ce que... Elle m'a mis des petits tamponnages et découpages d'escargots, puisque l'escargot est mon emblème, puisque pour moi, c'est comme les blabla. C'est comme mes vidéos, tout est toujours très lent. Hein. Donc elle m'a mis, merci beaucoup, différents tamponnages du petit escargot de chez Carabelle. Je l'ai aussi Nelly, j'adore cet escargot. Merci beaucoup. Alors ensuite, c'est bien emballé. Alors voici sa petite carte. Oh, elle est très jolie. Hop, c'est bien amusé. Voilà, une petite carte en 3D. Alors, je lis ça. Mais merci beaucoup, Nelly, c'est très gentil. Et au passage, tu as une magnifique écriture. Qu'est-ce que tu écris bien? Dis donc, ça fait rêver. Hein. Voilà, c'était un petit aparté. Et donc, voilà, c'est une petite créa. Donc, elle a fait, voilà, parce qu'elle nous avait demandé si on préférait avoir des scraps bidules, des choses comme ça, ou une créa de sa part. Et donc, moi, je lui avais dit que je préférais avoir une créa de sa part, parce que j'adore ce qu'elle fait, et puis bah, des scraps bidules, voilà, j'en ai déjà. C'est vrai que pour une débutante, avoir plus de matériel, c'est chouette, mais voilà, moi je voulais avoir une créa de Nelly, donc c'est chose faite, donc on va découvrir ça. Alors je sais, elle m'a dit qu'une fois que j'aurai ouvert... reçu mon colis, elle postera le tuto. Elle a fait le tuto de cette créa. Donc, si la créa vous plaît, eh bien, vous n'aurez qu'à aller voir son tuto sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien dès qu'elle sera sortie. Alors, voyons voir. Bon, déjà, une petite idée du support. Oh, oh, magnifique. Oh, c'est rigolo, ça. Magnifique. C'est donc un pinceau altéré. Donc, c'est mon deuxième, puisque ma copine Magali de la chaîne Magique Loisirs m'en avait fait un aussi l'année dernière. Donc, je vais pouvoir les mettre côte à côte. Donc, c'est un magnifique pinceau altéré. Donc, ça, c'est un support qui n'est pas évident à travailler. Hein. Il faut de l'imagination. Et ben, c'est plutôt réussi. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, avec quoi c'est fait cette fleur-là. Il y a une fleur, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, elle est dans une drôle de matière. Je ne sais pas ce que c'est. On verra ça dans le tuto. Et ensuite, donc, un décor automnal, un peu, avec de la mousse, une petite pine de pin, petite fleur, du bois et le tout. C'est très joli. Très très joli. J'étais bien amusée. J'ai hâte de voir le tuto parce que voir comment tu as fait tout ça. Enfin surtout la fleur en fait qui m'intrigue. Le reste apparemment des petits cailloux.
Des petits morceaux, des petits rondins de bois, une petite pine de pin, de la mousse. Hop, une petite guirlande de feuilles. Mais alors ça, je vois pas du tout en quoi c'est fait. Ah, il est très joli. Ben écoute, merci beaucoup Nelly. Je te remercie vraiment beaucoup Nelly pour ce joli cadeau. Et j'ai hâte de voir le tuto. Merci pour ta carte, elle est vraiment très jolie avec petit fond aquarelle ou distress peut-être. C'est peut-être de la distress. En tout cas, merci beaucoup Nelly pour cette bien jolie création. Moi aussi, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance via YouTube. Et j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer en vrai, puisque bon, on n'habite pas tout à côté, mais peut-être qu'un jour, l'occasion se fera. Et je te fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!